Voici Charles. Enfant, Charles n'était pas un petit garçon comme les autres. Oui, Charles n'aimait pas le chocolat. Mais il raffolait de fruits. Malgré sa différence, il essayait de vivre comme tous les enfants de son âge. Les années passaient et son appétit de fruits ne faiblissait pas. Le jour de ses 30 ans, il reçut une étrange visite. Et surtout, un étrange cadeau, le grimoire des fruits détendus. Il se rendit dans un lieu mystérieux, une cuisine abandonnée. Il se mit à imaginer des recettes à partir de fruits, bio, gourmands, naturels et sans sucre ajouté, pour le petit déjeuner, l'apéritif ou les petites faims. Charles accomplissait enfin sa mission, révéler le pouvoir caché des fruits. Il créa alors les fruits détendus, la société secrète des adorateurs de fruits. Enfin, pas si secrète. Aujourd'hui, ils sont déjà nombreux à avoir rejoint le mouvement. Alors vous aussi, devenez adeptes et rejoignez les fruits détendus.